Allons-y! Donne-le général! Archer! Prêt! Ils ont entamé nos défenses, capitaine! Attention à tes flèches en planète! Malaga! Un horrible cyclope rôdait dans la pénombre. Plus doucement! Doucement! Allez, plus vite!
Capitaine est parti. Vous êtes libre jusqu'à nouvel ordre. Il y a beaucoup à faire, et beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Plus vite !
De vitesse. Réduisez l'allure. Dépliez la voile. Ils vont nous tirer dessus si on continue d'approcher. Maveur, à leur banc. Préparez-vous au combat. Servez-vous du feu. Accrochez-vous tous! Pleine vitesse! Archer! Tirez sur eux! Paris pour l'abordage! Avec moi! Chose à récupérer, tout près. Thank you.
commencer à ramer. Préparez les rames. Doudou, vous êtes libre jusqu'au retour du capitaine. Ce doit être Skoura.
Barnabas m'a parlé de la reine. Je devrais essayer. Evante, la chasseresse. Quand on la croit acculée, elle attaque par le flanc. Chut. Tu entends ça? Je n'entends que les histoires d'un vieil homme maigri. Vieux? Je doute que tes oreilles aient pu te révéler mon âge. Je me suis aussi servi de mes yeux. Il paraît qu'on pouvait entendre la foule de très loin. Sa soif n'était jamais étanchée. Sa soif? De quoi? De combat dans l'arène, Mystios. De vie et de mort dans leurs formes les plus pures. D'amour, de haine, de gloire et de déchéance pour le plus grand plaisir de la foule. Je m'appelle Skoura. Alexios, j'ai trouvé un message parlant de cet endroit. Et de toi. Il invitait les combattants de tout le monde grec. Ces murs ne tremblent plus parce qu'il ne reste plus de héros de l'arène. Le public ne veut plus de vrais combattants. Il ne veut que du sang. Mais toi, Mystios, tu pourrais changer ça. Tu pourrais renouveler son intérêt. Et remporter des richesses qui dépassent tous tes rêves, si tu te bats et si tu gagnes. En effet, je suis là pour faire de nouveau trembler les murs de l'arène. Bien. Dis-moi plus à propos de l'arène. Elle existe depuis des décennies, mais elle a changé récemment. Comme beaucoup de choses. Ouais. Les combattants d'aujourd'hui ne s'intéressent qu'à l'argent, pas à l'honneur. Et les spectateurs veulent simplement voir les guerriers s'étriper entre eux. La mort ne leur suffit plus. C'est de cruauté qu'ils ont soif. Dis-moi plus à propos de la reine. Ouais. Parle-moi des autres combattants. En tant que nouvel arrivant, le choix de l'adversaire t'appartiendra. Il n'y a ni esclaves, ni criminels ici. Seulement des guerriers, animés du désir de verser le sang pour le public. Je vois. Il y a actuellement 5 champions. Tous plus assoiffés de sang et redoutables l'un que l'autre. Tu devras battre chacun d'eux pour gagner le titre de héros de l'arène. Mais l'âme et moi sommes prêts. Choisis ton adversaire. J'ai des dettes à faire payer. Je vois. Tu as quelqu'un de particulier en tête ?
Choisis ton adversaire. Je vais transpercer Belos comme une bête sauvage. Tu entends? Tu as dû leur faire belle impression. Tu n'as pas regardé? Ça fait des années que je n'ai pas vu un combat depuis l'arène. Mais à entendre les clameurs de la foule, j'ai peut-être un champion sous la main, après tout. Bien sûr que la foule crie. Comment pourrait-elle résister au spectacle d'un guerrier de légende? Peut-être que les histoires qu'on raconte sont vraies. Skua. Maillon. Ah, Mystios. Je l'ai su dès que j'ai posé les yeux sur toi. Tu pourrais, je dis bien pourrais, devenir comme Skura un héros de la reine. Si tu continues à combattre, je te prédis une longue et enrichissante carrière, dont je profiterai aussi. Quand tu seras prêt à continuer, va voir Skura.
toutes ces âmes nobles. Choisis ton adversaire. Je vais chasser Evant dans l'arène. Je vais t'abattre! Ta lame, Mystios. La lance. Elle me rappelle des temps anciens, les Perses. Ah ça, cette lance en a tué quelques-uns. Mais moi aussi, sur le champ de bataille et dans l'arène. Comment était l'arène à ton époque? C'était un lieu voué à l'honneur et à l'héroïsme.
Pendant des années, j'ai trempé ma lame dans le sang. Mais c'était une autre époque. Et j'étais un autre homme. Comment es-tu devenu un héros de la reine, au fait? Qu'as-tu fait? J'ai survécu. Tu t'es battu contre les Perses? Ah oui. Mais comment était-ce? Dur. Les Perses étaient des adversaires redoutables. Très nombreux. Leurs armées comptaient des guerriers de terres lointaines et inconnues. Il a fallu l'unité absolue du monde grec pour en venir à bout. L'unité du monde grec. On peine à y croire aujourd'hui. C'est vrai. Mais le retour a été plus éprouvant que la guerre elle-même. Pour Maillon et moi, après la guerre, la vie a été difficile. Nous étions habitués au combat, à la mort. Nous avons retrouvé ça dans l'arène. Je dois partir. Tu as accompli un vrai travail de guerrier dans l'arène. Continue. Merci. Choisis ton adversaire. Le roc d'Athènes finira en poussière. Vous qui allez risquer votre vie, la foule vous salue! Je vais t'abattre! Ah!
Un guerrier de la reine n'a guère de privilèges, en dehors du plaisir, de la renommée et de la gloire. Dis-moi, Mystios, as-tu des proches, des amis, de la famille, des amants? J'ai des gens dans ma vie, des personnes qui comptent pour moi. Tu en as aussi? Ma fille compte beaucoup pour moi. Et qu'en est-il de ta famille, de ta fille? Mon Anaya bien-aimée. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que je ne pourrais plus jamais tuer. C'est pour elle que j'ai cessé de combattre, même si je n'ai pas pu m'éloigner complètement de la reine. C'était il y a longtemps? Des années.
de nombreuses années. Tu as sûrement dû te faire des amis dans l'arène. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je suis un héros de l'arène, le plus grand champion. Je les ai tués en combat honorable. Ils reposent sur la côte, loin d'ici. Bien, je n'insiste pas. Mais viens me voir combattre. Je t'envie, Mystios. Tu as tout à gagner. Ne laisse pas passer une telle occasion. Choisis ton adversaire. Je n'ai pas envie de me battre pour l'instant. Libre à toi, Mystios. J'enverrai ceux qui s'opposent à nous vers les feux des enfers. Cosmos sera mon guide.
έτσι. Ότι ούκα θα μου συνείδω. Εμείς εισπίσμονες, λέγον πανίβλα και στην έστη, έκλεψαν από τα δοξούντα όρνια. Συνήργας με τα πλακά. Καλή θέση του το έστη. Ne te verra pas bien là. Bonjour. À une autre fois. Bienvenue.
très bientôt.